Dernière ligne droite concernant l'exposition de Léonard de Vinci. En effet, il ne reste plus que quelques jours maintenant avant qu'elle ne quitte Romba pour une autre destination. L'espace culturel, en tout cas, ne désemplit pas. Mercredi, il accueillait une délégation du CNAM, Centre National des Arts et Métiers de Nancy, des jeunes sapeurs-pompiers de Romba, ainsi que Valentin Mertz et sa petite-fille, les 15 millièmes visiteurs de l'exposition. À leur arrivée, ils ont pris leur place et ont appris la bonne nouvelle. Ensuite, comme tous les visiteurs, ils sont allés découvrir l'univers de Léonard de Vinci. Ils ont pris le temps de lire les inscriptions, de toucher les machines, de regarder les vidéos pour s'imprégner totalement de ce voyage dans le temps. Une visite qui leur a plu et qui a su rapprocher et intéresser ces deux générations pourtant différentes. Monsieur Mertz prenait le temps d'expliquer certaines choses à sa petite fille pour qu'elle puisse apprécier plus simplement cette exposition. Il n'hésitait pas à lui faire part de ses expériences et de ses connaissances, un moment de complicité qu'ils ont préféré vivre loin de notre caméra. Une fois la visite terminée, les gagnants de la journée ont été accueillis par Monsieur Fournier, maire de Romba, accompagné par sa nouvelle adjointe à la culture, Madame McCain, ainsi que Monsieur Zimmer et Monsieur Lacombre. Après un bref discours du maire pour rappeler les engagements et les objectifs de cet événement, M. Mertz ainsi que Claire se sont vus remettre un lot de cadeaux en guise de remerciement pour leur passage à Romba. Quant à vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir cette exposition. Elle fermera ses portes le 20 avril.